Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça consiste à configurer sa clé USB pour que ça devienne un lecteur, un petit disque dur de Xbox 360. Donc premièrement on va aller dans paramètres, donc paramètres, après vous allez dans stockage. Voilà, et là vous avez votre clé USB, mais Ferric USB, donc vous pouvez rien faire avec pour le moment. Hein. Vous mettez Ferric USB, vous cliquez dessus, vous mettez configurer maintenant. Ok, oui, voilà. Donc alors voilà, ça met test juste comme ça, hein, vous en faites pas, c'est normal. Donc alors on attend. Alors. Quelques minutes, voilà, hein, donc ça teste la configuration. Donc ça met assez de temps, ce que je vois, ça fait un peu chier. Voilà, donc voilà, il est prêt. Donc vous mettez annuler et ça fait votre carte mémoire. Mais normalement, si c'est la première fois, ils vont vous proposer le nombre de gigas que vous voulez utiliser. Donc moi, vu que je l'avais déjà fait, j'avais exprès de le remettre en mode normal, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà. Enfin, je l'avais juste renlevé pour vous, quoi. Donc là, je l'ai remis, voilà. Donc là, ça me l'émet automatiquement comme je l'avais voulu. Donc là voilà, en gros, si vous voulez, vous venez, vous mettez allez jouer à l'application, un jeu qui est pas long. Allez, je vais prendre Resident Evil 5, allez hop, on sélectionne, on met le déplacer. Voilà, donc vous mettez par exemple carte mémoire, voilà. Donc là, déplacement en cours, voilà, ok. Et donc là, ça vous fait un petit, voilà, donc là Resident Evil 5, voilà. Vous n'êtes pas obligé de déplacer, sinon vous pouvez aller, je m'en fous, Battlefield 4, vous cliquez dessus, vous mettez copier. Mais voilà, je vois pas l'intérêt parce que si vous faites ça, c'est sûrement que vous avez plus de place. Donc voilà, après moi j'en ai encore, j'ai 186 Go d'espace libre, excusez-moi. Donc voilà, après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, abonne-toi et like. Merci!